Voilà, c'est toujours moi, Bizan Mospita, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo Descend. Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Bizan Mospita. Voilà, pour ceux qui viennent juste de voir la vidéo, cette vidéo-là, sachez qu'on a déjà fait une première partie où j'avais déjà expliqué les documents qu'il fallait fournir pour postuler à cette bourse. Donc, si c'est la première fois que vous voyez la vidéo, essayez de me donner une pouce bleu, essayez de liker, voilà. Ça fait une grande promotion. Et puis, sachez que j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais comment est-ce qu'il fallait postuler, comment est-ce qu'il fallait s'enregistrer avant de postuler à l'admission et avoir la bourse. Voilà. Donc ici, comme ça, on va essayer de continuer. Voilà. Comme moi, je me suis déjà enregistré. Donc, je vais suivre un peu la procédure. Comme ça, vous allez voir comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir s'enregistrer pour la bourse et en même temps l'admission. Voilà. Donc ici, par exemple, comme ça, vous venez comme ça. Ici, comme je vous avais dit déjà auparavant, cette bourse concerne le master et doctorat. En ce qui concerne la licence, tout est fermé pour le moment. Donc, vous allez attendre un peu pour la licence. Donc, ça concerne le master et le doctorat. Donc, voici pour le doctorat. Pour ceux qui veulent le doctorat, ils n'ont qu'à cliquer ici. Voilà. Et pour ceux qui veulent faire le master, ils vont cliquer là. Donc, vous cliquez là. Course University Graduate ici, et là vous mettez par exemple comme ça que vous n'êtes pas ici en Russie. Voilà, c'est parce que je suis en Russie que ça me précise de certifier si je suis un citoyen russe. Vous mettez non, voilà, parce que ils vont vous envoyer les informations par rapport à la région où vous allez choisir. Donc si je mets non, on me propose maintenant de mettre mon pays pour la nationalité. Voilà, donc je vais choisir ici Côte d'Ivoire. Vous choisissez la Côte d'Ivoire ici. Voilà, ainsi tous les paramètres qui vont venir seront redirigés sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ils ont mis la Côte d'Ivoire. Comme ça, les paramètres qui vont être là seront redirigés sur Côte d'Ivoire. Donc ici, par exemple, comme ça, vous choisissez si vous avez la matière en tête, vous pouvez mettre la matière là. Voilà, ou bien vous choisissez déjà le master et vous verrez un peu les facultés qui sont disponibles pour le master afin de pouvoir postuler. Et vous cliquez sur search ici. Voilà, voici les éléments qui sont là. Ici, vous cochez. Pour ceux qui ont fait le doctorat, ils vont cocher là. Voilà, pour ceux qui ont fait le master, ils vont cocher là. Moi, je considère que je viens faire le master, donc je vais cocher là. Et ici, je vais enlever la partie. Si vous voulez faire en temps partiel aussi, vous pouvez mettre, ou bien temps total, vous pouvez, quand je dis temps total, c'est-à-dire si vous voulez faire le cours de façon présentielle, voilà, c'est ici, full time, vous allez participer au cours, mais cela ne signifie pas que vous n'allez pas travailler, vous pouvez chercher à travailler, tout ça, mais seulement pour ceux qui veulent vraiment travailler, c'est part-time. Part-time, ça veut dire, vous pouvez étudier, voilà, aux heures que vous voulez, et essayer aussi de travailler à vos heures où vous n'avez pas de cours. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant chercher les cours. Donc vous cliquez sur fin de programmes. Voilà, voici les programmes qui sont disponibles. Et lorsque je vous avais déjà dit, lorsque vous voyez là, ici c'est la date limite, c'est le 1er avril 2022. Et ici c'est le 17 décembre. Voilà, donc je considère que moi je veux faire, je vais choisir une filière, je veux faire par exemple les maths statistiques, ou bien je veux faire une filière où il y a mathématiques. Donc je cherche ici, ici c'est chimie avec thèse, ici c'est quoi, littérature. Je vais prendre ici, voilà, je vais prendre ici avec synthèse, voilà, je vais prendre là.
Regardez bien, le cours sera enseigné en anglais. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, si vous n'avez pas de certificat en anglais, voilà, essayez d'en trouver sur Duolingo. Maintenant, ceux qui ont le certificat, voilà. C'est ainsi. Maintenant, si il s'avère que vous n'avez pas eu la bourse, voici la scolarité par année. Voilà. Vous voyez, c'est la scolarité là. Donc, si vous n'avez pas la bourse, vous avez l'opportunité de faire quoi? De payer les cours pour pouvoir y participer. Et la date limite, c'est le 17 décembre. Donc, le 17 décembre, vous savez que je peux postuler. Alors, je m'applique pour pouvoir postuler. J'applique ici, après un an, ici, pour le spring. Donc, je clique sur après un an. Ça me renvoie ici. Arrivé là, si vous êtes nouveau, par exemple, comme ça, j'avais déjà fait la vidéo. Si vous êtes nouveau, vous pouvez cliquer sur un menu applicant. Voilà, vous allez partir vous enregistrer et tout ça. Mais nous avons déjà un compte. Voilà, donc je vais aller sur ce compte-là pour pouvoir continuer. Donc, si je viens là, vous voyez, mon compte est déjà là. Je répète encore. Soit je réécris encore, je mets ici par exemple comme ça mon mail et je clique sur continue. Ou bien, comme j'avais déjà enregistré sur mon PC, alors je peux cliquer ici directement. Voilà, et on me demande mon password. Donc, à partir de cet instant-là, je peux continuer à faire mon remplissage ici pour pouvoir postuler à l'admission et en même temps à la bourse. Donc, voici les éléments qui sont là, comme je vous avais déjà expliqué. Ici, ça va. Le mail aussi, ça va. Ici, je dois mettre mon numéro. Voilà, je peux mettre un numéro. Ici, par exemple, le numéro. Ivoirien, je vais mettre par exemple comme ça. Ok, donc nationalité, c'est toujours quoi? Côte d'Ivoire. Si c'est en anglais, ça sera forcément Ivory Coast. Mais si c'est, je vais voir directement d'abord en anglais. Avant de passer, ok, il n'y a pas d'Ivory Coast, donc ça veut dire que c'est Côte d'Ivoire. Donc je vais choisir ici. Voilà, il y a Côte d'Ivoire ici. Ok, ici, I have a reference code. Ça, c'est pas la peine. Vous n'avez pas de code de référence. Voilà, parce que vous êtes nouveau. Donc, une fois que vous vérifiez bien si c'est bon, vous pouvez continuer. Ok. S'il y a un souci, ils vont vous dire qu'il y a un souci. Vous allez partir revérifier et tout ça. Donc, ici, vous voyez qu'il y a assez de choses à faire. On va remplir tout ce qui est là. Profil, contact, éducation, score, référence, motivation, checklist, document et puis autres. Donc, il faudra avoir toutes ces informations-là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir mieux remplir. Voilà. Donc, le nom, le prénom, ça va déjà. Voilà. Où il y a l'astérisque en rouge, ça veut dire que c'est important. Donc le nom, le prénom, ça va. Le numéro du passeport, je vais mettre un numéro comme ça. Ok. Donc une fois que vous finissez là, vous venez là. Ici, regardez bien en dessous du passeport, il y a issue date. Vous allez mettre la date à laquelle vous avez eu votre passeport, l'année, le mois et le jour. L'année, je vais dire par exemple comme ça, 2021. 2021. Ici, le mois. 8e mois, par exemple comme ça. Et le jour, le 21. Ok, je considère que c'est ça. Et la date à laquelle le passeport va expirer, vous mettez là, comme le passeport CEDEAO, c'est 5 ans, donc je considère que c'est en 2026. Donc je mets 2026. Ici, 2026, je vais prendre 2026. En août aussi. Et le 21 aussi. Ok. Ok, donc ça fait 5 ans, vous voyez.
Donc le genre ici, c'est quoi? C'est masculin. Et ici, le pays d'origine, quoi? Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire. Ok, maintenant, ceux qui n'ont pas de passeport, vous pouvez cliquer là. I don't have a passport yet. Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez cliquer ici. Vous voyez, voilà. Et vous allez mettre les éléments de votre carte d'identité. Vous voyez, vous allez mettre les éléments de votre carte d'identité. Voilà. Donc, mais moi, j'ai déjà un passeport. Donc, je ne vais pas mettre que je n'ai pas de passeport. Ok. Donc, une fois que vous finissez, ici, vous mettez votre pays de résidence. Pays de résidence actuellement. Moi qui suis par exemple comme ça en Russie, je vais mettre Russie, mais je vais pas mettre Russie parce qu'ils vont me demander assez de choses. Donc si vous êtes dans votre pays comme ça, vous mettez Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Donc ici je vous avais déjà dit, ceux qui n'ont pas de passeport, par exemple, ils peuvent cliquer. Et si vous cliquez là, vous allez voir les éléments. Vous allez mettre ici votre numéro de la carte, c'est sur la carte que vous allez voir ça. Chez nous, c'est ça commence par CI. Et puis, il y a C de numéro. Voilà. Et la date de naissance, si je viens pour le master, alors je vais mettre que je suis né en 2003, par exemple. Voilà, 2003. En juin, le 11 juin 2003. Ok, date de naissance, Abidjan. Plus de naissance, Abidjan. Ok. Donc, une fois que c'est on remplit cela, regardez bien les éléments qui sont en astérisque, vous devez les remplir. Donc, si vous êtes marié, vous mettez marié, divorcé, ou bien si vous êtes célibataire, ok. Nationalité, Côte d'Ivoire. Ok, ici, c'est la Côte d'Ivoire, ça c'est Ivory Coast, donc voilà, la Côte d'Ivoire. Ok, donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste là, on vérifie les éléments en astérisque. S'il y a toujours des éléments en astérisque qui ne sont pas encore remplis, vous devez les remplir, voilà. Ok, après cela, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre une photo ici. Donc, vous devez télécharger la photo depuis votre ordinateur. Donc, moi, je pars dans mon ordinateur, je clique là. Ça me renvoie dans mon ordinateur. Ok, donc, mettez une bonne photo. Vous avez vu que cette photo-là, je l'ai choisie parce que je vais juste remplir pour vous. Voilà, mettez une bonne photo ici. Une bonne photo de profil. Photo numérique comme sur une carte d'identité. Voilà. Donc, on revérifie rapidement et puis. Voilà, on voit que c'est bon. Ok, il demande à ce qu'on remplisse pour les parents. Ok, donc ici le nom de votre de vos parents, vous pouvez mettre voilà le nom de la mère aussi. Vous pouvez mettre pour la mère. Ok, je crois que ça va. Donc, on va maintenant submit pour voir ce qu'ils veulent. On dit qu'il y a encore erreur. On va le revérifier rapidement. Ici, il fait un name. Ok, il y avait ici aussi à remplir avant de passer ici. Nous sommes là, on a fini avec l'étape qui est là. Maintenant, on passe à l'étape qui suit. Ici,
nous sommes où il y a contact. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplir, vous allez mettre votre rue. Voilà. Et ici aussi, vous allez mettre le numéro de votre maison. Si vous voulez, je mets en français, comme ça, vous allez vous retrouver. Parce que si je veux me mettre à tout remplir, on va pas finir maintenant. Donc, numéro d'appartement, la ville, village, province, pays. Vous mettez votre pays où vous êtes actuellement. Voilà. Et après cela, il y a priorité. Ici, cyber security synthèse, security synthèse. Voilà, ça c'était ce qu'on avait, on avait choisi. Si vous voulez ajouter encore un choix, c'est-à-dire une faculté ou bien une filière que vous voulez faire, vous allez cliquer ici pour ajouter. Voilà, et ici, arrivé dans éducation, ici aussi, vous allez commencer à mettre tous les éléments, tous les diplômes que vous avez eu. Voilà, vous allez mettre tous les diplômes que vous avez eu ici. Niveau d'études, vous allez mettre votre niveau d'études. Si vous venez faire par exemple le master, ça veut dire que vous avez les diplômes de la licence du baccalauréat. Donc ici, niveau d'études, vous mettez baccalauréat. Baccalauréat en quoi vous pouvez mettre un instant que je. Voilà, si vous avez le bac par exemple, vous pouvez mettre lycée ici. Lycée, date de début, vous mettez date de début. Nom officiel ici. Nom officiel de l'école, université ou institution, votre lycée où vous avez eu votre bac, vous mettez là. La date à laquelle vous avez eu le bac, vous mettez là. Ou bien la date à laquelle vous allez avoir le bac, vous mettez là. Voilà. Donc le nom du programme, ça veut dire quoi? Si vous avez fait un bac D par exemple, comme ça, c'est quoi? C'est biologie, géologie, vous mettez là. Un bac C, un bac C, c'est mathématiques et physique, vous mettez là. Et la moyenne que vous avez eu aussi, vous mettez là. Vous voyez? Voilà, une fois que vous finissez, vous allez maintenant ici cliquer là pour ajouter encore le niveau d'études. Si c'est la licence, vous mettez licence en sciences ici par exemple. La date de début, vous mettez aussi la date à laquelle vous allez avoir le diplôme ici aussi. Et voilà, vous faites la même chose comme ce qui est là. Voilà, donc quand vous finissez, vous suivez. Veuillez indiquer les distinctions académiques. Le cas échéant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez été meilleur de votre génération, vous pouvez mettre ici. Veuillez indiquer le classement de la classe d'obtention du diplôme. Voilà, vous comprenez ce qu'elle a. Donc, une fois que c'est fini, vous allez mettre maintenant les notes. Les notes, ça concerne par exemple comme ça, les notes du TEFL et du ESS. Voilà, tous les éléments qu'ils veulent sont là. Donc, c'est à vous maintenant de voir ce que vous avez et vous allez télécharger pour mettre ici. Voilà, ça veut dire que si vous avez un certificat, vous pouvez mettre le certificat là. Voilà. Donc, les références, ça concerne les lettres de motivation, les lettres de recommandation. Voilà, donc nom complet de l'arbitre. Voilà, la personne qui vous recommande, vous mettez son nom complet ici. Et ici, vous mettez son mail parce que ils vont lui envoyer comme ça un mail. Voilà. Et lorsqu'ils vont lui envoyer un mail, c'est la personne qui va maintenant télécharger l'application pour mettre sur va télécharger maintenant la lettre de recommandation mais sur l'application. Voilà. Maintenant, si vous pensez que, par exemple, comme ça, on dit utiliser le formulaire ci-dessous pour inviter vos références à soumettre une référence. Vous voyez? Donc, c'est ici. Maintenant, ici, par exemple, comme ça, pour la motivation, vous allez écrire une lettre de motivation directement ici. Je vous rappelle très bien que c'est entre 1500 et 4000 caractères. Donc, vous devez mieux écrire la lettre de motivation. Vous devez être vraiment sûr. Et puis la lettre de motivation doit être dirigée sur la cybersécurité, pour ce que moi j'ai choisi. Donc vous aussi, ce que vous allez choisir, vous devez mieux le faire pour pouvoir mieux remplir, pour que ils puissent comprendre ce que vous voulez réellement et pourquoi est-ce que c'est à vous qu'on doit donner cette bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, la liste de contrôle. Lorsque vous allez commencer à mettre tous les éléments vers le haut ici, en contact, éducation et tout ça, vous allez voir que ici, ils vont cocher tout ici en bleu ou bien en rouge. Tout sera bien noté ici. Ça sera pas comme ça. Voilà. Lorsque vous allez mettre les éléments, lorsque vous allez télécharger les éléments doivent être bien faits. Donc, si vous dites que vous avez téléchargé, vous allez mettre ici. J'ai téléchargé. Gna, gna, vous comprenez? Et une fois que vous finissez, vous allez maintenant venir là et télécharger ce que vous devez mettre. Télécharger, relevé de notes. Vous téléchargez, vous mettez ça ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le CV aussi, et ici la preuve en anglais, et puis les références. Voilà, donc si vous voyez que
La preuve en anglais, les éléments sont en exclamation. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas vraiment très exigé, mais c'est pas vraiment très exigé, mais ceux qui l'auront passeront. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc ici pour les documents, voilà, aucun document n'a été téléchargé. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez finir de télécharger tous les documents vers le haut dans ces parties-là, vous allez voir que ces documents-là vont se retrouver ici. Voilà, tous les documents que vous avez téléchargés vont se retrouver là. Voilà, et autre, ça va dépendre de la faculté. Autre, ça va dépendre de la faculté. Si vous avez choisi une bourse ou bien une faculté, il y aura des questions ici. Et ces questions-là diffèrent à chaque instant en fonction de la faculté que vous avez choisie. Voilà, donc c'est un peu ça. Et lorsque vous finissez maintenant, vous allez soumettre. Voilà, donc quand vous soumettez pour l'admission. Voilà, et si vous respectez les conditions de la bourse, vous soumettez en même temps aussi pour la bourse. Voilà, donc c'est ainsi. Je ne vais pas prendre assez de temps parce que si je veux tout faire, on va prendre au moins 1 heure et tout ça. Je ne vais pas passer du temps, mais néanmoins, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Tous ceux du doctorat, c'est très délicat. Vous pouvez écrire des questions en commentaire et je vais essayer de vous répondre ou bien écrivez-moi inbox, ça sera mieux. Voilà, donc c'est un peu ça, les gars. C'était juste moi de Samospita. Je voulais juste vous préciser un peu et vous montrer un peu comment ça se passe. Ok, à plus, les gars.